Yo les gens, c'est Soran, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui donc du meilleur joueur Clash of Clans, ou en tout cas celui qui est considéré comme étant le plus grand joueur, celui qui a donc marqué son nom dans l'histoire du jeu, et je parle bien entendu du très connu Yorg Yao. Donc j'en avais parlé déjà dans la précédente vidéo, dans les records de trophées, c'est normal, il en faisait partie, mais dans cette vidéo nous allons en parler plus précisément. C'est donc un américain de 30 ans qui a marqué l'histoire du jeu en devenant une légende, car c'est le tout premier à avoir atteint la très emblématique barre des trophées, qui est de 4000 trophées, bien avant l'invention des ligues, c'est-à-dire en 2013 quasiment. Et il avait profité donc d'une montée en trophées qui a été très médiatisée du fait d'être resté 6 mois, plus de 6 mois, en première position sans jamais avoir été détrôné, sauf pendant quelques heures par Kemal. Mais ça, c'est une petite anecdote, mais on peut considérer que pendant 6 mois, il est resté au top. Et du coup, il est reconnu et connu de tous pour avoir été donc le plus grand joueur de Clash of Clans, parce qu'il a été le plus longtemps au top, etc. Mais il y a un revers de la médaille. Effectivement, donc, Yorg Yao ne trichait pas. Enfin, on peut considérer ça comme de la triche, mais en fait, il avait plusieurs comptes et il s'attaquait lui-même et s'offrait des boucliers donc de 40%. Vous savez comment ça fonctionne, et ce qui lui donnait des trophées lui permettait de monter encore plus haut, sachant aussi qu'il ne se déconnectait quasiment jamais, vu qu'il prenait même son iPad sous la douche avec une petite pochette, etc. Il y avait vraiment tout un système pour gagner, pour tirer un maximum de trophées, et cette frénésie a dû prendre un terme. Donc fin 2013, il a tout simplement retiré le jeu, il est parti, il a dit voilà, c'est bon, j'en ai marre. Et pourtant il avait pas mal de fans, il avait même ouvert un truc de t-shirt, etc. En gros voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Yorg Yao. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vais peut-être ouvrir un topic sur les forums Clash of Clans France pour en parler avec ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. Voilà, donc c'était Soran, et puis on se reverra pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.